Recoucou, on est toujours le 2 juin. Oui, je suis partie dans mes décos. Je ne vous dis pas, je fais des essais et en faisant mes essais, je vous fais profiter. Donc là, j'ai sorti une boule de polystyrène. Elle doit faire, ça doit être on va dire une 7 ou 8 cm de diamètre, ou un peu environ. J'ai sorti des roses comme ça. Des roses qui, alors ça, c'est celle que j'avais achetée chez Temu, que j'ai reçue. Et ça, c'est celle qui me restait de chez AliExpress. Mais je sens qu'il va falloir que j'en recommande parce que je pense pas en avoir assez pour faire ce que je vais faire. Je vais vous montrer après. Donc là, j'ai mis mon pistolet à colle-chaude d'échauffer. Et ce que je vais faire, je vais venir coller. Bon, les papillons, j'en ai pas besoin. Je vais venir coller des roses tout autour de ma boule. Je vais faire un genre de petit arbre. Donc, je mets déjà une rose et je vais en mettre tout le tour. C'est quoi ça? Alors, ce qui aurait été bien, c'est que je puisse le poser quelque part, que ça tombe pas. Voilà. Donc, on va continuer. Je vais mettre. Alors, il faut mettre quand même assez de colle hein, parce qu'il faut que ça tienne. Je vais en mettre tout le tour de la première rose. Par contre, c'est très long à coller. Enfin, c'est bon, c'est très long, non, pas aussi long que ça. Donc, on y va. Je vais essayer de vous faire. Alors, j'ai déjà fait le support. Je vais vous montrer ça après. Alors, pour bien faire, il aurait fallu que j'aie des roses blanches avec. Mais je vais faire tout en rose. On verra bien ce que ça donne. Alors là, j'en ai mis 3. On va compter combien j'en ai, m'en fous, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Déjà là, quand j'aurais mis ça, j'en aurais déjà mis 14. Je vais ressortir de la colle parce que je ne vais pas en avoir assez. Oui, je suis partie dans mes décos aujourd'hui, c'est une journée déco. Je ne sais pas si j'en ferai pour le baptême où on va aller, où je vais aller, mais je prépare. Après, si ça me fait plaisir de leur donner, je leur donnerai. Si, ou je leur montrerai, je leur demanderai si elles veulent, je ne sais pas. Donc, on y va, on va coller. Je ne peux pas arrêter ma vidéo, hein. Donc, je vais faire tout avec vous. Donc, après, je redémarre. Hein. Je refais une rangée. Elles sont belles, ces petites roses-là. C'est des roses en mousse. Mais je pense que je vais m'en recommander. Mais il faut que j'arrête de commander. Je fais que ça, de commander. Quand on veut faire des choses, il nous en faut quand même. Hein. Il faut pas mal de. On a des choses d'avance dans nos affaires, mais on n'a jamais assez. Donc, je vais faire, mais je pense que je peux filmer pendant 20 minutes. Si au bout de 20 minutes ça s'arrête, et ça s'arrêtera. Je vais vous montrer le support que j'ai fait avant, comme ça si ça coupe, et vous aurez vu déjà. Et puis après, je vous mettrai la photo en miniature. Donc là, c'est en train de sécher. J'ai pris un petit pot blanc, un petit pot que j'ai recouvert en peinture. J'avais plus de gesso, donc j'ai recouvert avec de la peinture acrylique blanche, comme ça. Et j'ai recouvert un cure-dent, pas un cure-dent, un pic à brochette avec des petits rubans blancs. Et après, je vais mettre ma boule là. Mais après, il faut que je fasse une déco avec des nœuds et tout. Donc, je vais voir. Hein.
Je vais faire tout ce que je peux faire avec vous, puis sinon, ben, je le ferai encore en deux vidéos, hein. Il n'y a pas de lézard. Donc là, j'ai dit, j'en étais à 14. 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25. Ça me fait penser quand je mettais des cotons à démaquiller sur mes boules de polystyrène, sur mes couronnes, sur mes boules, sur mes décos de Noël. Si vous avez suivi mes vidéos, je mettais des cotons à démaquiller. Ça me fait penser. Oui, ça commence à faire joli, hein. Et ça, pour faire, vous pouvez faire avec une boule plus grosse, puis faire des décos de table avec ça. J'essaye de ne pas me brûler les doigts, surtout. C'est surtout ça. Oh, j'adore. Regardez. C'est super beau. Hein. Il faut que je la remplisse entièrement. Hein. J'espère que je vais en avoir assez. Là, je vais arriver à 25 déjà et je ne suis pas à la moitié. Vous raconter d'autres, parce que j'ai bien parlé aujourd'hui, je vous ai fait plusieurs vidéos, donc je ne sais plus quoi vous raconter, hein. Vous savez ce que je vais faire, je vais jusqu'à 10-12 minutes et puis après ben, je referai la finition à l'évier, parce que comme il faut j'attendre que mon petit pot il sèche. 25, 30, 31, 35, 35, 39, 40. Ouais, je vais aller jusqu'à 10 minutes, 10, 12 minutes avec vous, puis après, je coupe et je reprendrai après sur une autre vidéo. Ça sera mieux que de me voir... faire comme ça, là. C'est pas compliqué, hein. Si vous avez... Alors, en principe, dans mon pot, j'aurais dû mettre... comment? Du sable décoratif, mais j'en avais pas. Bon, vous savez ce que j'ai fait? J'ai coupé du polystyrène que j'ai mis dedans. Et c'est pour ça que j'ai peint en blanc, pour pas qu'on voie... pour pas qu'on voie le polystyrène dedans. Regardez, on ferait un visage, ça ferait une pépette. Bon, je vais m'arrêter là, et puis je vous reprends pour le montage. Ok? Allez, je vous fais un gros bisou, à tout à l'heure.